Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, et oui, ça fait longtemps que vous me le demandez, je reteste des Poopsie Slime. Donc ici, je vais tester cette boîte-là. Alors là, franchement, ça ressemble à un Happy Meal de chez McDo. Personnellement, j'en ai jamais ouvert, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et puis, donc voilà, et ensuite, je vais retester une corne parce que je l'avais déjà testée sur la chaîne et j'avais adoré. Donc, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Poopsie Slime, eh bien, écoutez, c'est simple, il suffit de liker la vidéo. Hein. Si la vidéo atteint énormément de likes, eh bien, écoutez, je verrai que vous aimez ça. Et donc, ben, j'en testerai d'autres. Allez, c'est parti. On teste ces Poopsie Slime. On va ouvrir cette boîte. Donc, ça ressemble vraiment à Happy Meal. Je me demande bien ce que c'est. C'est trop chouette. Hein. Quand même, les Poopsies, il y a un packaging. C'est super joli. Allez, bah, c'est parti. On va dérouler. Alors, comme ils disent, hein, déroule ici. Allez, Tintin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Unicorn Food, de la nourriture pour licorne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ici, oh regardez, c'est comme un cornet de frites, c'est trop chouette. C'est super bien fait quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Surprise, arôme surprise, ok. Ensuite, Unicorn Magic, d'accord. Et Unicorn Food. Donc, on a ça. 1, 2 et 3, ok. Et à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment ça se... Alors... C'est beau! Alors ça doit être un petit gobelet. Ici, qu'est-ce que c'est? Allez, je sors tout. Hein. Tac. Ah, la boîte du hamburger. Trop chouette. Regardez un petit peu. Hop là! Allez, c'est parti. Alors, ici, une petite notice. Ah oui, d'accord. Alors là, ici, on va pouvoir voir... les différents Poopsie qu'il existe. Waouh, en fait, il y en a plein. C'est trop chouette. Alors nous, je me demande ce qu'on va avoir. Oh là là, il y a le Stickles, il est trop beau. Ici, c'est le beurre de cacahuète. Moi, j'adore le beurre de cacahuète. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Non, mais c'est trop chouette. Franchement, je connaissais pas du tout et je trouve que cette collection, elle a l'air vraiment chouette. Allez, je commence par ça. Le plus petit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc ici, la cuillère. Waouh, les choux. Trop belle. Une cuillère dorée en forme de licorne, j'adore. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur ici? Tintin. Ah ah ah, c'est le porte-clés. Je l'ouvre pas tout de suite, vous verrez après. Allez, ici, on va regarder dans les frites l'arôme qu'on va avoir. Alors, ça va être un arôme quoi? Ben, un arôme, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien de noté dessus. Ok. Allez, on continue. On ouvre le gros gobelet. Waouh, une tasse de café. Oh, mais c'est chouette. Bon, il est chouette. Hein. Et donc, nous allons avoir... Oh, ça me donne trop envie de faire la collection entière. Qu'est-ce qu'on va avoir comme porte-clés avec? Tintin, 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 tintin. D'accord, la petite crotte marron comme ceci. Bon, bah, elle est plutôt jolie. Franchement, elle est chouette. Du coup, il nous reste le gobelet à ouvrir. Ça reste assez... Franchement, les petits papiers, ils sont trop beaux. Je me dis qu'on pourrait peut-être s'en resservir pour autre chose. Vraiment, ça donne pas envie de les jeter tellement ils sont beaux, ces petits papiers là, holographiques. Moi, j'adore. Hein. Oh là là. Trop, trop chouette. Alors, le petit gobelet, il est bleu pailleté. Bah, ça changera des autres, le petit gobelet doseur. Ok. Et maintenant, on va regarder, en fait, si on a eu un Poopsie rare ou pas. Donc, lequel avons-nous eu? Ah, Sugar Flush, donc cela. Et c'est un...
un régulier. Donc c'est pas forcément un rare. En même temps, ça m'étonne pas, jamais vraiment de chance. Bon, allez, c'est parti, on fait le slime. Allez, c'est parti, on commence le slime. Donc, on va remplir la tasse jusqu'au trait avec de l'eau. Alors, de l'eau à température ambiante, il n'y a rien de précisé sur le côté chaud ou froid. Donc, 10 ml d'eau. Ensuite, on va ajouter 5 gouttes d'arôme. Alors, ça sent quoi, cet arôme? Je ne sais pas. La vanille. Vanille chocolat même, je dirais. Allez, 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, ensuite, ils nous disent bien sûr de monter la cuillère. Moi, j'avais fait avant, mais bon, c'est assez simple. Hein. Bon, voilà, il suffit de monter la cuillère. Ensuite, on va ouvrir notre gobelet. Donc, pam pam. Et on va mettre de la nourriture de licorne. Regardez un peu la couleur, c'est chouette. Ça fera pas trop chocolat chaud, hein, par contre. Hein. Mais bon. Bah, ensuite, bien sûr, on va verser l'eau qu'on a préparée avant à l'intérieur. Et puis, on va remuer pendant une minute. Allez, ensuite, ils nous disent de laisser reposer 10 minutes. Allez, pendant que notre slime pose, nous allons ouvrir le deuxième coffret. Donc cette fois-ci, ça s'appelle Unicorn Crush et c'est une corne de licorne toute pailletée. Vous allez voir, c'est super joli. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai fait sur Poupsy dans le petit i en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne les avez pas déjà vues. Allez, hop, voilà la corne. Elle est belle quand même, cette licorne. Moi, j'adore. Allez, zou. Voici ce qu'il y a à l'intérieur de notre kit. Un sachet de gelée plus la corne. Allez, je vide le sachet dans un récipient suffisamment grand. Ensuite, on va ouvrir la corne. Elle est jaune. Je me rappelle plus de quelle couleur était l'autre que j'avais testée, mais bon. Tintin. Voilà la jolie corne. Waouh! Ah bah je regrette pas d'en avoir acheté un deuxième parce que franchement, c'est pas du tout la même chose. Donc on va le plonger dans l'eau pendant 10 secondes sans appuyer. Parce que sinon c'est la cata hein, si vous appuyez. Allez, on compte 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Retire la corne en sable. Voilà, on va faire ça tout doucement. Bien sûr, j'ai foutu de l'eau partout. Hop, 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 au-dessus, ici. Voilà, et normalement, attention, 1, 2, 3. Waouh, regardez un petit peu. Oh, trop chouette! Les paillettes. Bien sûr, et maintenant, il faut malaxer. Oh, j'adore ces paillettes. Franchement, elles sont trop belles. Alors au début, on a l'impression que ça va pas du tout se mélanger. Puis en fait, si, hein, franchement, ça se mélange bien. Faut le temps. Alors là, ça fait quand même un énorme slime. Eh bien, voilà, hein, franchement, je l'ai plutôt bien malaxé. Moi, je pense que c'est bon, hein, c'est prêt. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Elle est trop chouette. Alors, bien sûr, ils disent d'attendre 5 à 10 minutes à l'air libre pour que la pâte ne colle pas trop. Mais honnêtement, elle ne colle pas, franchement. Hein. Bon, j'ai des paillettes partout, mais sinon, ça va, quoi. Allez, on va la mettre ici. Alors, le truc, par contre, que je trouve un petit peu dommage, eh bien, c'est que la boîte corne, eh bien, elle est trop petite. Regardez, ça déborde. Bref, Poupsy, là, vous auriez pu mettre un petit sachet transparent pour pouvoir conserver notre slime quand même. Bon, allez, on va passer à la suite. On va regarder où en est notre autre Poupsy slime. Allez, donc, logiquement, ça y est, elle est prête. Donc, la gelée est prête. La première gelée est prête. On va la sortir.
Alors, voilà. La première gelée. Voilà, franchement, elle est bien. Et donc, ils nous disent de préparer la deuxième. Et ensuite, on va pouvoir marbrer les couleurs, c'est-à-dire avoir un slime un petit peu marbré, bicolore. Bon, allez, pourquoi pas. Moi, je pensais que c'était vraiment pour avoir deux slimes. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aussi le préparer en deux fois. Hein. Allez, bien entendu, on vous conseille de ranger en attendant votre slime dans le petit porte-clés pour éviter qu'il ne sèche. Et pendant ce temps, on va préparer le deuxième slime. Alors bien sûr, je vous mets tout ceci en accéléré puisque c'est exactement la même chose que pour le vert. Après quelques minutes de repos, nous allons enfin pouvoir voir la couleur de ce slime. Et c'est un slime jaune, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ils nous disent bien sûr d'enlever la gelée du porte-clés. Alors, tac, voilà. Vert et jaune. Bah, franchement, c'est sympa aujourd'hui. Les couleurs changent un petit peu. Voilà, et ensuite, bah, écoutez, comme ça, on peut marbrer la couleur. Bien sûr, ils nous disent de rajouter de la magie, donc c'est ça, c'est des paillettes encore. Et oui, oula, ça vole. Bon, voilà, j'ai mis les paillettes. Waouh. Et bien voilà, le slime est fait. Alors c'est dommage d'ajouter les paillettes après parce que du coup on perd un petit peu le côté marbré, mais bon. Parce que ça se mélange vite en fait les slimes. On a obtenu un super beau slime. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à le ranger bien sûr dans son petit contenant crotte. Et le surplus dans l'autre contenant. Super. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous remontre en détail les slimes que nous avons obtenus. Donc voici le vert de ce kit-là. Et voici celui de la corne, de licorne, qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Mais voilà, il y a juste un slime, alors que les autres, il y a des petits gobelets à collectionner, alors que là, il n'y a vraiment que le slime. Par contre, le slime, il est génial. Ici, sur la corne. À présent, il est temps de vous quitter. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu chez vous, si vous avez testé les Poupsy Slime, si vous faites la collection, enfin voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos de Poupsy Slime, je compte sur vous dans les commentaires, dans les j'aime, likez la vidéo à fond et puis j'en referai d'autres, voilà. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez été jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous êtes hyper courageux et je vous propose de marquer chocolat chaud dans les commentaires. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi 18h pour la prochaine vidéo. Bye bye! Trop chouette!